Et voici la flamme rouge pour le peloton. Peloton groupé. La flamme rouge, le sprint est lancé et la victoire est pour un sprinteur aujourd'hui. Et voici la flamme rouge, les sprinteurs sont lancés. La flamme rouge, le sprint est lancé et la victoire est pour un sprinteur aujourd'hui. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Rouge pour le peloton. Va donc s'imposer en solitaire. Et voici la flamme rouge. On passe sous la flamme rouge et c'est parti pour le sprint. Et comme annoncé, ce championnat du monde va se terminer par un sprint massif. Alors, qui va s'emparer du maillot arc-en-ciel? L'emballage final se prépare, les sprinteurs sont aux avant-postes, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Dernier kilomètre. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. La flamme rouge, le sprint est lancé et la victoire est pour un sprinteur aujourd'hui. Thank you.
maillot jaune va devoir réagir car il est dangereux. Il accélère. Il essaye de sortir, attention! Et voilà la flamme rouge! Rappelons que les 500 derniers mètres sont aux alentours de 7% de pente moyenne. Allez, attention à ne pas craquer! Dernier kilomètre pour le peloton. Les sprinteurs sont aux avant-postes. Ils ne vont pas tarder à produire leur effort. C'est la flamme rouge pour la tête de course. Peloton groupé. Peloton groupé. Et voici la flamme rouge pour le peloton. L'échappée est en sursis. Elle risque de se faire reprendre lors du sprint. Oh, quel dommage! L'échappée fait de la résistance. C'est tendu. Derrière, les équipes de sprinteurs sont en train de lancer le sprint final.